Le prince Harry ne cache rien dans ses mémoires sorties le 10 janvier dernier. Le duc de Sussex donne des détails étonnants sur son passé amoureux. Le prince Harry revient sur son histoire avec Flea, celle qui a collé les morceaux après sa séparation avec Chelsea Davy. Spare ou le suppléant, sorti le 10 janvier 2023, est une véritable mine d'informations. Entre les bombes et les attaques contre les membres de la famille royale, on recense quelques révélations sur les amours du mari de Meghan Markle. Le prince Harry, 38 ans, a eu plusieurs ex, dont la plupart sont connus du public. Chelsea Davy, Cressida Bona, Caroline Flack, celle qui est morte tragiquement, et bien d'autres encore ont fait parler d'elle. Dans ses mémoires, le prince Harry parle d'une de ses conquêtes qui n'a pas eu droit à la même médiatisation que les autres. Le papa de Archie et de Lilibet fait mention d'une certaine Florence, surnommée Flea dans son livre. Chelsea Davy est considérée comme étant le grand amour du prince Harry. Du moins, de toutes ses conquêtes, si est avec elle qu'il est resté le plus longtemps. Le couple se défait l'été 2011 après 6 ans de relation. Après sa séparation avec Chelsea Davy, le frère du prince William, prince de Galles, 40 ans, avait le cœur brisé. Ses loyaux amis ont alors décidé de lui présenter une fille brillante, belle et cool. Selon les récits du prince Harry dans son livre, il tombe amoureux de la jeune femme de Notting Hill. Prince Harry, Flea quitte le duc de Sussex au téléphone. Bien que le prince Harry ait été amoureux de sa nouvelle compagne, leur idylle ne dure que quelques semaines. Les deux tourtereaux se voyaient à l'abri des regards avant que la presse l'a su et le rideau est tombé sur notre idylle, précise le fils cadet de Charles III dans son livre. Comme les autres conquêtes du prince Harry avant elle, celle qu'il surnomme Flea était la proie des médias. Comme les autres avant elle, elle a également craqué, précise Gala. Flea m'a appelé en larmes. Il y avait 8 paparazzi devant chez elle. Il l'avait poursuivi dans la moitié de Londres, révèle le prince Harry dans son livre. Florence lui a dit, je ne peux plus, et décide de le quitter au téléphone.